l'État français, soutenu par l'Europe, continue de soutenir la mise en œuvre des moyens de protection. Et l'objectif est double, il est à la fois d'aider les éleveurs à lutter contre la prédation et également de permettre de réduire l'impact économique. Donc les trois principales mesures qui sont aujourd'hui financées sont en 1, le gardiennage renforcé, en 2, l'achat des parcs de nuit et en 3, l'achat et l'entretien annuel des chiens de protection. Alors, la première priorité est bien évidemment d'avoir une présence humaine aux côtés du troupeau et donc qu'il y ait un gardien qui permette, lorsque cela est possible, le regroupement nocturne des bêtes. Et en deuxième, effectivement, l'utilisation de chiens de protection va permettre de tenir le prédateur à l'écart du troupeau. Alors, l'État soutient et accompagne l'association La Pastorale Pyrénéenne qui propose aux éleveurs et aux bergers un appui technique pour ceux qui souhaitent s'équiper d'un chien de protection. Donc nous sommes trois techniciens là sur la chaîne des Pyrénées. Donc nos missions, c'est vraiment un service d'accompagnement des éleveurs qui souhaitent mettre en place des moyens de protection et notamment le patou, quoi. Notre objectif premier, c'est d'obtenir un chien de protection, un patou qui va rester avec son troupeau. Et pour ça, la mise en place est primordiale. Si elle est réussie, le chien pourra s'adapter dans tous les espaces, que ce soit sur l'exploitation, dans les parcs, dans les AFP, dans les montagnes. Bonjour. Bonjour. Je viens vous voir pour parler du chien de protection que nous avons dans les Pyrénées. D'accord. Ben, le chien de protection, c'est un chien avant tout qui va vivre avec son troupeau 365 jours sur 365 et il veille sur son troupeau par son aboiement et sa dissuasion. Pourquoi le patou comme chien de protection ? Déjà, il s'appelle le montagne des Pyrénées. Il est très adapté de par son standard étant molossoïde. On parle tout le temps du chien de protection, enfin pas tout ici en estive, mais le reste de l'année, qui s'en occupe quand les brebis sont pas en estive? Ah ben, en fait, le chien il reste avec son troupeau sur son exploitation agricole. Ce chien appartient à l'éleveur. S'il est transhumant, le chien monte à l'estive avec son troupeau, sinon il reste en bas sur le parcours autour de l'exploitation agricole. En fait, le chien reste toujours avec son troupeau. Les chiots, ils viennent d'exploitations agricoles ovines qu'on choisit et les éleveurs font naître à l'intérieur de leur bergerie sur des individus qu'on a sélectionnés. D'accord. Donc c'est très intéressant et ça permet d'avoir que les chiots aient une bonne imprégnation au troupeau, ce qui va faciliter leur placement. Il y a Thierry qui est en train de garder son troupeau. Oui. On va aller le voir. Parfait. C'est un éleveur ovin là qui habite sur Gère de Boutte. Bonjour. Bonjour, Jonathan. Thierry. Enchanté. Enchanté aussi. Je suis venu me renseigner sur le patou et Magali me disait que vous avez reçu une jeune chienne. On a fait un box avec en mettant des agnelles dedans pour accueillir la petite chienne, quoi. Le temps qu'elle s'adapte au troupeau et que le troupeau s'adapte à la jeune chienne, malgré qu'elle soit quand même un peu habituée puisqu'il y a déjà un chien en place. Et après, bon, l'adaptation se fait assez facilement, quoi. Avec votre tout premier patou, enfin chien de protection ou patou, ouais. Comment s'est passée l'intégration? Parce que les brebis ne devaient pas y être habituées. Non, au départ, non, elles n'étaient pas habituées du tout. Bon, elles en avaient peur. Et puis, bon, elles dormaient, le patou dormait tout le temps avec les brebis, était constamment avec les brebis, que ce soit en bergerie ou dans les parcs. Et après, bon, les brebis sont devenues sereines, elles n'ont pas peur, quoi. Après, ça se fait assez rapidement. Bon, il y a les techniciens qui viennent pour voir comment le chien s'adapte au troupeau, mais en général, ça se fait assez bien, quoi. Il faut le surveiller un peu au départ, mais ça va après. Et du coup, l'entente entre le chien de conduite et le chien, le patou, ça se passe correctement? Au début, c'est pas évident parce que le chien de protection garde le troupeau,
Donc, quand il voit le chien de conduite arriver, il a tendance à vouloir protéger le troupeau. Après, quand il connaît le chien, ça se passe bien, quoi. Passe au troupeau. Dans le au pied. Le chien, il monte en estive à l'âge de 18 mois. On attend qu'il soit mature. Mais avant ça, on a plein de phases très importantes dans l'éducation du chien. Ça veut dire qu'il y a la phase de bergerie. Et ensuite, c'est à ce moment-là aussi où l'éleveur il va sociabiliser le chien et mettre en place toute l'éducation de base. Ça veut dire apprendre son nom, le rappel, la remise au troupeau, la marche en laisse. Toutes ces phases vont être importantes pour qu'on ait un chien qui soit stable et qui soit facile à utiliser. Si le chien ne se comporte pas comme il faut, comment ça se passe ? Ben dans ce cas-là, on essaye d'intervenir assez rapidement en tant que technicien. Et si le comportement déviant continue, dans ces cas-là, on le change d'environnement. Ça veut dire on le replace sur une autre exploitation. Quand vous placez les chiens... Est-ce que l'éleveur le paye ou comment? Ouais. Oui, on fait l'avance de l'achat du chien. D'accord. Et ensuite, il y a les subventions qui sont mises en place. Bon, je vous invite à me suivre cet été en estive. Oui, avec grand plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Donc en estive, on a souvent plusieurs chiens qui viennent de plusieurs exploitations agricoles. Puisque dans les estives, c'est des groupements pastoraux où il y a des éleveurs qui se regroupent pour monter sur une même unité pastorale. Donc là, on va avoir un troupeau d'un tel qui va avoir un tel chien, un autre tel chien. Et c'est à ce moment-là où le berger va avoir un groupe de chiens, une meute de chiens. Et il va devoir, lui, mettre sa hiérarchie. Et donc ces chiens vont s'acclimater et au bout d'un certain temps, ils vont vraiment pouvoir travailler ensemble. Bonjour. Hey Jonathan. Ça va et toi? Ça va bien? Oui. Finalement, t'as pu te libérer une journée? Ben oui, je suis là. Ouais, on va aller sur l'estive du Crabert là. D'accord. Et il y a deux bergers là-haut avec cinq chiens de protection et on va y aller parce qu'on a 2 heures de marche et il fait très chaud. Ok. Allez c'est feu. Parti. Ça va aller. Il faut bien se l'ajuster, ouais. Allez, c'est parti. Ah bah tiens. Ça va Marco? Ça va, oui, ça va bien. Bonjour, Jonathan. Marco. Ça va? Attends, je vais enlever ça. Mais je suis venu vous voir parce que je suis en phase d'installation en Auvergne. Et par chez nous, on n'a pas du tout de patou. Donc du coup, je viens me renseigner sur comment ça fonctionne. Là, sur l'estive, vous avez combien de brebis? Il y a 1200 brebis. D'accord. Et combien de patous? C'est des brebis viandes, c'est pas des brebis laitières. D'accord. Ok, vous ne faites pas de lait, même vous ne trayez pas. Il n'y a pas de traite. Okay. Et vous avez combien de patous du coup pour 1600 brebis 1200, pardon. 1200 brebis, là il y a 6 patous. C'est joli. Et c'est ce qu'il faut. Il y a des ours, donc il faut des patous. Donc sur l'estive, vous êtes arrivé à 6, pour quelle raison? Vous avez beaucoup d'attaques? Il y a une pression d'ours qui est très forte, oui. D'accord. Je crois que c'est entre 4 et 6 ours de répertoriés juste sur la vallée de Mer. Comment ça se passe pour intégrer un jeune patou sur une estive comme la vôtre? Il faut passer du temps. Il faut regarder ce qu'il fait le chien, parce que sur une estive, ça se passe pas souvent forcément bien. Quoi. C'est plus compliqué que de le placer en bas, en bergerie. Quoi. L'idéal de placer le patou, c'est en bergerie en bas. Quoi. Comme on avait pas en montagne. Ouais. Bah, le patou, il monte quand il a à peu près 18 mois déjà. Il faut qu'il ait une certaine maturité. Ah oui, d'accord. Il faut que ça se passe bien en bas. Ah oui. Parce qu'après, en haut, tout est plus compliqué. Quoi. Ouais. Il y a déjà une meute, ouais, qui est déjà constituée, donc le chien, en fait, il fait juste que venir se compléter la meute, quoi, se faire accepter par la meute. Donc c'est autre chose qu'en bas. Quoi.
6 chiens, ça fait une meute, quoi. Oui. Vous connaissez combien de chiens fait sur 1200 brebis, quand il n'y a pas beaucoup de présence, 2, 3, 4, 1. Mais ça dépend combien il y a de, d'éleveurs qui ont des chiens déjà sur ces 1200. Zéro. Ah ouais. Oui, et on n'a pas de patou, hein, ou très peu, quoi. Il y a d'accord. Très peu de. Non mais le but, ça serait quand même que ce soit l'éleveur qui estive sur cette montagne, qu'il y ait au moins déjà un éleveur de cette estive qui ait un chien. Que ce ne soit pas un chien rapporté de, d'autre part. Quoi. D'accord. Que les brebis, parce que les brebis, il faut que les brebis s'acclimatent aussi au chien. C'est pas, ça ne marche pas que dans un sens. Quoi. Oui. C'est toute la mise en place qu'on a vue en bas, où les brebis s'acclimatent à la présence du chien, et le chien il grandit avec les brebis, il s'habitue. Mmh. Ok, bah super. Tu vois, après nous ici, il n'y a pas de, trop de dégâts, et puis il ne faudrait pas... On n'aurait pas besoin de 6 chiens, mais après quand on passe de l'autre côté, par contre... Ah oui. Là, on a besoin de 6 chiens. Parce que quand vous êtes de l'autre versant, vous avez plus de pression niveau ours, mais quand vous êtes ici avec... Il y a toujours la pression, mais ce n'est plus les ours. Non. Oui, c'est voilà. C'est la pression humaine et qui est peut-être plus forte que celle de l'ours encore. Oui, du coup, est-ce que les chiens, dû à ça, ils aboient quand même comme s'il y a un prédateur ours qui vient ou... Ils signalent leur présence. Et là, la meute qu'on a cette année, elle réagit très très bien avec les randonneurs, c'est-à-dire qu'ils arrivent relativement près, mais sans agression. Il y a même, des randonneurs qui arrivent à passer au milieu du troupeau. C'est pas bon à faire, mais la meute est tellement bien constituée qu'il n'y a pas d'agression, même quand les gens sont au milieu du troupeau. Et tout patou, ça, c'est pas parce qu'un patou il travaille dans la nature qu'il doit être désociabilisé, quoi. Ah oui, parce la montagne, on la partage avec, avec plein de personnes, donc il faut que les chiens soient minimum adaptés aux randonneurs aussi. Après aussi, il y a un problème que les gens ne connaissent pas forcément comment il faut réagir ou qu'est-ce qu'il faut faire. Et des fois, c'est impressionnant quand il t'arrive 5 chiens blancs, gros, en aboyant. Ah oui, oui. Du coup, des fois, c'est pas évident. Ben, moi, je suis éleveur, je suis en phase d'installation, mais... Quand je voyais un patou à montagne, j'étais pas rassuré parce qu'ils sont quand même dissuasifs. Hein. C'est pour ça qu'on les prend. Oui. Est-ce que cela est possible aussi que le chien aille au contact du prédateur ou il reste quand même, vu qu'ils sont tout le temps en troupe, est-ce qu'il va quand même au contact ou il reste auprès de sa troupe au mieux ? Toute la meute ne part pas sur l'intrusion qu'il y a sur le troupeau, en fait. D'accord. T'as un chien qui va partir plus au-devant, ça fait comme une ligne, quoi. Et après, t'as les chiens qui vont s'écarter sur le troupeau et qui vont faire un front, quoi. D'accord. En fait, c'est un travail d'équipe, c'est pas un chien. On parle d'individus, mais c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Enfin, les 6 font un, quoi. Ah ouais. Bon, déjà, le troupeau doit être bien regroupé, et c'est à ce moment-là où les chiens vont se positionner dans le troupeau ou aux abords du troupeau. Et bon, c'est vrai que quand on a l'ours qui veut venir prédater, on va vraiment avoir toute une disposition des chiens. Déjà, il y en a certains qui vont alerter sur le stimuli et d'autres qui vont rester dans le troupeau et ils vont se relayer. Ils travaillent vraiment ensemble, c'est vraiment un travail de groupe et ensemble, ils sont plus forts. Donc ce qu'on demande aux chiens de protection, c'est avant tout déjà de rester bien au troupeau. Et en restant au troupeau, il va être attentif à tout son environnement. Ce qui va permettre, il va pouvoir aboyer sur la sauvagine ou intervenir aux abords des parcs quand on a des sangliers ou des chiens ou différents stimuli qui vont vouloir venir perturber la quiétude du troupeau. Et c'est à ce moment-là où le chien, en fait, il va marquer... son naturel, finalement, il va alerter, il va aboyer, il va s'interposer entre le troupeau et le stimuli et on va avoir un chien qui va être efficace. Son rôle, c'est pas d'aller au contact, mais c'est d'intervenir et de montrer sa présence. Et c'est ce qu'on attend vraiment du chien de protection et notamment du patou. Et on va aussi lui demander d'être sociabilisé et d'avoir un comportement... normal et paisible à la rencontre des humains et voilà.
Thank you.